Danger de mort dans la commune de Dango. Ici, nous sommes à Akpamé et le câble électrique utilisé pour le transport d'électricité est coupé ou presque, mettant les riverains dans l'insécurité totale. Malgré les démarches, rien n'y fait. Ici, nous sommes à Akpamé ici. Et il y a un chef de village qui est chaque fois avec moi. Il ne cesse jamais de venir me voir pour qu'on puisse mener des enquêtes, des démarches sur ça. On a mené beaucoup de démarches. On a été à Dango, on a été à Misrété, on a été aussi à la direction générale. Les gens ne se sont pas manifestés jusqu'à présent. Et chaque fois que les gens, je vois des gens autour du câble là, vraiment j'ai toujours peur, j'ai toujours pitié de ceux qui passent sous le câble là. Comme le dit-on, il vaut mieux prévenir que guérir. Le chef d'arrondissement sensibilise sa population. Je leur dis chaque fois de faire attention pour ne pas être... Sinon, si le câble se casse un jour, il y aura mort d'homme, il y aura brûlure. Donc je les exhorte à ne jamais, avant de passer sous ce câble-là, de faire beaucoup attention. Ceux qui sont dans l'alentour aussi, de faire beaucoup attention pour ne pas perdre leur vie. Donc de faire toujours attention. Profitant de nos caméras, les riverains au rendez-vous lancent des appels aux autorités. Bon, je suis venu à la maison, nous avons fait un peu pour nous. Nous avons fait un peu pour nous. J'exhorte les autorités à venir nous aider. Sinon, les enfants sont trop exposés. S'ils sortent, c'est sous le câble que vraiment ils s'amusent. Et ils ne savent rien. Nous, on fait tout possible pour les encadrer, mais pourtant, on n'arrive pas. Nous prions vivement les autorités de bien vouloir nous venir au secours. Parce que ce qui se passe ici, c'est un danger de mort. Vous voyez le câble là, il n'y a qu'un petit fil qui le maintient encore en haut là. Est-ce que vous voyez? Et ça peut céder à tout moment. Ici, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a un peu du vent, ça se cogne contre un support en fer là. Sur le poteau là, ça se cogne contre le support en fer là. Et ça fait vraiment de détonnement. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait courir les riverains, ceux qui sont là, lorsqu'ils entendent le détonnement, ils courent très souvent. Et pire encore, vous allez constater que c'est en bas du câble là que les élèves, lorsqu'ils quittent l'école, ils viennent s'amuser. Et c'est par là qu'ils prennent pour aller, pour faire des va-et-vient, venir à l'école ou rentrer chez eux. Il y a aussi d'autres personnes qui veulent. Ce n'est pas pour la première fois que la chose se passe ici. Est-ce que vous voyez? Donc, prie vraiment les autorités de bien vouloir nous venir au secours. Parce qu'on ne veut vraiment pas que cela fasse de victimes avant qu'on ne vienne nous faire une réparation ou quoi. Qu'ils viennent. Parce que ça peut même céder cette nuit. Une chose est certaine, la mort existe. Et nous la côtoyons au quotidien. Mais ne nous la donnons point.